Hola. Bonjour. Hello, hello. Ah. On s'installe tranquillou pour bien démarrer la journée. Tidalidalidala. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Aller Café. 6h54 du matin, le récap que vous aimez revient dans vos oreilles et sur vos écrans TV. On s'installe tranquillou, j'espère que vous allez bien. Ouh, je sens qu'il y a des fans de la Dub Nation qui sont dans le coin, et peut-être aussi des Bucks. On va faire comme d'habitude le récap des deux matchs de cette nuit. Il n'y avait que deux matchs, ça y est, plus on avance, plus il commence à y avoir des matchs en moins. Ça y est, on va se rapprocher de cette zone un peu bizarre de la saison NBA où parfois il n'y a qu'un match par nuit. C'est comme ça. Après avoir eu le marathon de plusieurs matchs pendant plusieurs semaines, eh bien c'est la loi des playoffs. Donc bonjour à toutes et à tous. Y en a qui sont là pour la première fois en live, en fin de nuit. Magnifique, formidable. Bah, vous allez voir, c'est très simple. Alors, il y en a qui connaissent aussi le petit rendez-vous. Je sais qu'il y en a plein qui ont envoyé des commentaires en disant qu'ils étaient très contents de prendre le petit déjeuner ou de prendre leur pause déjeuner. Donc, bon récap à toutes et à tous. J'espère que vous allez formidablement bien en ce jeudi de l'an de grâce 2022, 28 avril, au moment où je vous parle. Il est donc 6h55 à Paris, en France. Je sais qu'il y en a plein qui viennent de partout. Dans tous les coins du monde. Merci le Bardagram pour le petit sub. On va pas perdre de temps. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire revenir sur les résultats de cette nuit, rentrer en détail sur les deux matchs qui ont eu lieu, puis ensuite faire un petit tour des news. Et puis après, on pourra continuer la journée bien comme il faut, puisque ce soir, on aura d'autres matchs de playoffs qui nous attendront. Et croyez-moi, il risque d'y avoir des enjeux, notamment du côté de Philadelphie, hein, avec un docteur Rivière, dont on reparlera très certainement dans la suite de cette émission. Voilà, je vais essayer de me concentrer pour pas me taper une barre, parce que Doc Rivers, il y a moyen qu'on en reparle. On va vous montrer les résultats, tout de suite, de cette nuit, avec donc deux matchs qui ont eu lieu. Victoire de Milwaukee, qui a fait le travail. À domicile, 116 à 100. Il n'y a que 16 points d'écart sur la feuille de match, mais il y a bien plus sur la rencontre. On va y revenir en détail. Les Bucks qui vont donc se qualifier pour les demi-finales. Attention, il y a un gros adversaire à devoir affronter. Je vois qu'il y a un des copains de Buenos Aires. Formidable. D'où que vous soyez, installez-vous tranquillou. Vous êtes des centaines, des milliers pour ce petit aller café. Ça me fait bien plaisir. Le deuxième match, Golden State, qui a donc battu Denver. Golden State et Milwaukee étaient les deux équipes qui revenaient à 3-1 à domicile et qui devaient terminer le boulot. Alors ça n'a pas tout à fait été dans le même registre, hein. Il y a une équipe qui a beaucoup plus dominé que l'autre, mais le plus important est fait, c'est les 3 points comme dirait Zizou, et c'est surtout la qualification au round suivant. Ce qui veut aussi dire que nos amis les Bulls direction Cancun, et ils risquent de croiser Will Barton et Nikola Jokic à l'aéroport, puisque les Nuggets, eux aussi, sont en vacances. On va donc commencer tout de suite, si ça vous va, pendant que vous vous réveillez, que vous craquez vos doigts. Il y en a, je sais, qui vont peut-être même au boulot ou au lycée, ou qui vont démarrer une grosse journée de boulot. Donc, je vous envoie plein de force. Et on va pouvoir démarrer tout de suite avec Bucks versus Bulls. C'était le premier match de cette nuit. Il avait lieu à 1h30 du matin. Victoire large de Milwaukee. On va même pas tourner autour du pot. Regardez-moi ça. C'était du acté. Premier quart-temps, 34 à 18. Ça a continué, 26 à 24. On a eu un petit réveil des Bulls à un moment, qui sont revenus, allés à une dizaine de points, 11 points. Et puis en fait, bah, les Bucks, ils n'avaient qu'une seule chose à faire, c'était de rappuyer un peu sur l'accélérateur et c'était terminé. Alors évidemment, les Bulls n'étaient pas au complet. On savait que Zach LaVine n'était pas là, rentré dans le Health and Safety Protocol. On savait que Alex Caruso, très bon en défense, n'était pas non plus présent. Donc Chicago se jetait un petit peu dans la gueule du loup, on va pas se mentir, et non seulement ils se sont jetés dans la gueule du loup, mais en plus ils ont jeté de la belle bricasse, pardon. Regardez-moi ça, 52 tirs à 3 points tentés par les Bulls. Ils se sont dit, quitte à terminer cette saison, autant envoyer du shoot et du shoot. 39 sur 92 au tir, 15 sur 52 à 3 points. Vous ajoutez 16 balles perdues à ça, à Milwaukee, c'est impossible de pouvoir l'emporter ainsi.
Je vois en effet dans le chat que vous êtes déjà 1000, c'est incroyable. Ça veut dire que vous êtes nombreux à vouloir démarrer la journée de la meilleure manière possible. Et c'est très bien justement. Petite lampée protocolaire, puisque je sais qu'il y en a qui comptent les lampées. Et on va pouvoir démarrer dans le détail de ce match. Les Bulls, comme je le disais, maladroits au shoot, qui ont quand même essayé d'envoyer leur dernière munition. Ça veut dire que Coby White a essayé de bombarder comme il fallait. On a vu aussi, bien évidemment, Nikola Vucevic, qui s'était fait mal au crâne en début de match avec un gros choc contre le parquet, mais il est resté dans la rencontre. 19 points, 16 rebonds et 6 passes. On a eu quelques agressions potentielles de Ayo Dosunmu, qui n'était pas vraiment en efficacité sur cette série, mais qui a essayé avec Brown Jr., avec Derrick Jones. Ça a été très compliqué pour DeMar DeRozan, malheureusement. Disons que son dernier match n'est pas du tout à la hauteur de sa formidable saison. DeRozan, qui a quand même été rayonnant sur cette campagne 2021-22, et bien malgré son explosion au Game 2 à Milwaukee, où il met plus de 40 points et c'est la seule victoire des Bulls sur cette série de playoffs, et bien là, ça s'est terminé un peu en autre boudin. 43 minutes, 11 points seulement. Il a été très très bien isolé par la défense de Milwaukee. Donc forcément, pour les amis de Chicago, c'était un petit peu dur. Alors que je fais juste un coucou aux copains de la Dub Nation qui sont en train de célébrer leur qualification. On va y revenir tout à l'heure. Oui, les Bulls vont sortir et aller en vacances. Et on va en reparler dans quelques minutes. Mais rendons à César ce qui lui appartient et donc aux Bucks leur qualification. Un match tranquille. Yannis Antetokounmpo, wow. Tout va bien, 30 minutes, 33 points, 9 rebonds, si je dis pas de bêtises, avec 3 passes, 11 sur 15 au tir, 11 sur 14 au lancer. Bon, le bulldozer. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre, eh bien c'est simple, Yannis, il a démarré le match, il a fait « Non, on va se calmer. Il n'y aura pas de scénario dans lequel il y aura un 3-2. En fait, ça va être 4-1 et vous allez fermer vos gueules. » Et donc, bah, ça a été tout simplement une domination de Yannis tout de suite, dans l'agressivité, dans la peinture, à mettre tout le monde dans la faute. Et donc, en seulement 30 minutes, il a fait le travail. Le patron, ça a aussi permis à Bobby Portis de faire du joli hustle, pas très adroit au shoot, mais 14 points, 17 rebonds. On a eu les très bonnes sanctions de Pat Connaughton à 3 points, 6 sur 9 du parking, 20 points sortis de banc, avec Grayson Allen, comme d'habitude, qui a fait ses petites minutes intéressantes. Javon Carter aussi, qui a été particulièrement productif, 5 interceptions pour lui. Et puis, un peu de Brook Lopez, un peu de Jrue Holiday. Pas vraiment besoin pour les Bulls d'appuyer sur le champignon, ils ont fait tout simplement le travail. Pardon, pour les Bucks. Ils ont tout simplement fait le travail, les Bucks. On savait que ça sentait la branlée, et ils ont fait le nécessaire. Du coup, c'est une victoire, et quelque part dans la physionomie de cette série, comme j'en parlais un petit peu plus tôt, je pense que vous avez été nombreux à voir les matchs de cette série entre Milwaukee et Chicago, on était nombreux, je crois, à pronostiquer quelque chose comme ça. Vous vous avez mis combien? Je crois que vous êtes 1200 déjà dès le matin. Vous avez mis quoi? 4-0? 4-1? Moi, je crois que j'ai dû mettre 4-1, une bêtise comme ça, pour les Bucks. Qu'est-ce que ça met? Voilà, du 4-1. Il y en a qui ont peut-être mis les Bulls, je sais pas, hein. Et coucou à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je demandais juste le score que vous avez mis sur cette série avant les previews, hein, donc dans votre bracket, ce que vous avez mis pour Bulls-Bucks. 4-1 pile. Bah, bravo à celles et ceux qui ont mis 4-1 pile. Vous êtes des champions et des championnes. Je crois que j'avais mis 4-1. Il faudra que je revoie l'émission. S'il y en a qui ont souvenir, je crois que j'avais mis 4-1. 4-1, c'est ça, j'ai mis? Pour le moment, on est bon. On attendait un bon match de DeRozan et ça a été bien géré de sa part. Sur les deux premiers matchs de la série, Milwaukee ne rassure pas. Vous aviez vu le Game 1 qui n'est pas très bien géré par Yannis et ses copains. Victoire, mais alors vraiment serrée et pas rassurante. Sur le Game 2, victoire des Bulls sur le terrain de Milwaukee avec un énorme Caruso, un énorme DeRozan, tous les garçons qui font le boulot. Et là, quand on rentrait à Chicago, on s'était dit attention, attention, blessure de Chris Middleton, attention à ce que ça peut donner quand même pour nos amis les Bucks. Eh bien, je crois que comme vous l'avez vu, et comme on l'a tous vu, et comme toute la planète basket l'a vu, c'est là qu'on a retrouvé les vrais Bucks. Et c'est là qu'on a retrouvé quelque part l'équipe dont on parlait en preview de cette série, c'est-à-dire trois balayettes. Deux premiers matchs serrés, et après trois balayettes. Deux matchs à Chicago, tabassage, et ensuite retour à la maison pour les terminer. Donc pas vraiment de surprise là-dessus. Si vous avez fait 4-1, eh bien si vous avez pronostiqué 4-1, vous êtes des champions et des championnes. Comme d'habitude, je vais vous montrer les petits tweets qui ont été envoyés dans la nuit, les tweets principaux. N'hésitez pas à aller sur les comptes Twitter, Instagram et TikTok et compagnie de Trash Talk pour aller suivre tout ce qui a été balancé par votre humble serviteur. Bon alors, vous savez, on aime bien balancer les screens. Hein. Milieu de deuxième carton, il y avait 49-20.
Voilà. Ça faisait très mal au cul, je vais pas vous mentir, désolé pour l'expression. Mais 49-20, très franchement, quand on est arrivé à plus 30, alors qu'on était même pas en début de deuxième quart-temps, bon bah là tu sais tout de suite dans quel genre de registre tu es. C'est-à-dire qu'on est entre très franchement le interdit au moins de 18 ans et le genre de film qu'on ne peut pas passer en fait, tout simplement en antenne nationale. Donc voilà, ça a été très compliqué, ils se sont bien battus, certes les Bulls ils sont revenus à moins 11 points, mais il n'y avait même pas besoin de forcer tellement les Bucks étaient dominants. On a eu des petites photos, vous voyez, de Lonzo Ball, parfait, hein, vous remarquerez le score qui est toujours très agréable, 90-64, voilà, hein, toujours très très sympa. Qu'est-ce qu'on a envoyé d'autre bien évidemment? Oui, ça je vais y revenir, mais juste, pour nos amis les Bulls qui se font éliminer, ce sont les vacances pour eux, et il faut quand même revenir sur cette saison, parce que on en reparlera dans les 30 prévus en 30 jours, on fera peut-être des apéros avec Alex pour revenir sur certaines équipes qui sont désormais à Cancun, mais regardez quand même cette stat, elle est violente. Les Bulls, souvenez-vous, l'automne dernier, hyper intriguant, excitant, c'était la darling du début de saison, et bien au total, le nombre de matchs joués avec Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et Caruso, il n'y en a que 17 sur 82. Et si vous ajoutez Patrick Williams, il n'y en a que 12. Donc ça a été beaucoup trop compliqué pour Chicago qui avait tant d'espoir. On s'en souvient, hein, lorsqu'on était à Noël, vous aviez vu les doubles shoots de DeMar DeRozan à Washington, à Indiana, entre le 31 et le 1er janvier, l'autre, il passe d'une année à l'autre, il met des game winners. Là, le niveau de hype était maximal. Et puis après, ça s'est mal terminé pour les Bulls. Des absences, des blessures, des joueurs qui performent un peu moins, et puis une concurrence aussi qui élève son niveau de jeu. Et puis finalement, tu termines en sortant par la petite porte. 4-1 donc face au champion en titre, c'était assez attendu. Donc comme je le disais, la fin elle est un petit peu triste, mais globalement les Bulls peuvent être quand même fiers de leur saison parce qu'il y a beaucoup d'optimisme pour la suite, hein. On a des joueurs qui sont sous contrat, on va voir ce que ça donne pour Lonzo, DeRozan, Patrick Williams, Alex Caruso. On va rediscuter évidemment avec Zach LaVine qui doit prendre un contrat max cet été, mais qui va aussi devoir se faire opérer. Mais il y a quand même des prémices qui étaient très belles et donc on a hâte de voir l'année 2 et ce que nous réserve aussi Arthur Ascarisovas. On aura l'occasion de pouvoir discuter de ça avec vous, savoir quelles modifications peuvent être réalisées par le management de Chicago pour confirmer cette belle hype qu'on a vue en automne dernier. Comme certains me posaient la question, je rappelle que Zach LaVine, touché au genou, eh bien, il va très probablement être opéré, donc ce sera un été un peu particulier pour l'arrière All-Star de Chicago. Qui dit opération dit forcément un peu plus difficile de travailler sur son jeu. L'idée, ce sera quand même de le retrouver à 100% athlétiquement à la reprise. C'est ça, hein, l'objectif pour le joueur et pour sa franchise, afin de confirmer ce qui s'était passé. On discutait en février dernier de savoir si on allait avoir deux joueurs des Bulls All-Star titulaires. Je rappelle que c'était ça un peu la discussion. Avant de venir à ça, parce que oui, comme vous le savez, qui dit qualification des Bucks dit aussi grosse demi-finale. Juste avant ça, attention les coquins, je vous vois dans le chat, on va y venir. Évidemment à cette grosse info qui est tombée cette nuit. Avant ça, juste, petit message que j'avais envoyé, non pas pour malheureusement faire bader les amis des Nets et des Bulls, mais regardez ça, ce screen, comment il est violent. Le classement de la conférence Est le 22 janvier 2022. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez de ce 22 janvier 2022? Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez qui sont en tête, les Nets et les Bulls, et est-ce que vous voyez une équipe qui pourrait manquer à l'appel? Qui n'est pas là? Qui n'est pas dans ce top 10? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est 10e de la conférence Est à ce moment-là, à votre avis? Eh, il y en a qui le mettent dans le chat. Eh oui, la remontada de Boston. Regardez, ils étaient à 23 victoires pour 24 défaites, alors qu'on était mi-janvier, donc à la mi-saison. Hein. 23-24, ça fait 47 matchs sur 82. Donc voilà, un truc tout vert. La remontada, elle est énorme, hein, donc ça passe devant les Wizards, bien évidemment. Les Hornets aussi dans le rétro, les Cavs qui ont bien chuté. Et donc pourquoi je montrais ce screen? Parce que, évidemment, on le rappellera jamais assez, une saison NBA, c'est très long. On fait souvent des conclusions hâtives, vous savez, en début de saison, et puis après à Noël, on dit « ça va aller tout droit pour telle franchise ». Mais non, non. Lorsqu'on regarde ce classement-là, eh bien, on se rend compte à quel point beaucoup de choses peuvent changer. Les Nets, qui étaient numéro 1, blessure de KD, transfert de Harden. Les Bulls, qui étaient numéro 2, des blessures et une chute de momentum. Résultat, d'autres équipes sont montées. Et donc, c'est une bonne leçon pour celles et ceux qui ont tendance à faire des conclusions à mi-saison. C'est que non, en fait, il faut jouer jusqu'au 15 avril et ensuite être en pleine forme
avoir un alignement des planètes et un peu de chance pour ensuite aller chercher le titre, ça se voit en ce moment avec les blessures. Ceci étant dit, maintenant que nous avons envoyé nos amis des Bulls à Cancun, puisque s'il y a des fans de Chicago qui sont dans le chat ce matin, préparez la crème solaire, on va retrouver KD et LeBron au toboggan comme on dit. Eh bien on a quand même une sacrée info. Et là je vais pouvoir boire ma deuxième lampée devant ce screen. Mesdames et messieurs, nous y sommes. J'espère que vous avez prévenu vos proches. Milwaukee Bucks versus Boston Celtics en demi-finale des playoffs. Une série de malades mentales. Ça y est, on l'a. Ça va être complètement dingue. Avec Jason Tatum versus Giannis, avec évidemment Jrue Holiday versus Jalen Brown, avec Marcus Smart qui va devoir se battre avec Bobby Portis, avec Brook Lopez contre l'expérience de Al Horford, avec Robert Williams évidemment, avec l'absence de Chris Middleton, mais ça va être complètement dingo. On aura l'occasion avec Alex de faire une petite preview. Putain, incroyable, vous êtes 1500 carrément à 7h du mat. Je crois que vous voulez vraiment vous réveiller tous les matins. Moi, je vais pas pouvoir faire ça tous les matins. Ça va pas être possible, ça va juste être pendant les playoffs, hein, parce que pour la saison régulière, ça va être compliqué. Mais en tout cas, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. On aura l'occasion avec Alex de faire une preview complète, un classique, avec évidemment les points tactico-techniques, les dynamiques des deux équipes et un prono, un famoso pronostico. Avec Alex, on se penchera dessus probablement ce vendredi. Mais je vois que certains déjà sont en train de nous balancer les pronos. Il y en a qui mettent les Celtics en 7, il y en a qui mettent les Bucks en 7. Ça va être fou et j'ai une bonne nouvelle pour celles et ceux qui peut-être se réveillent et ne sont pas au courant. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Le Game 1 de cette série immanquable entre Boston et Milwaukee, il a lieu ce dimanche à 19h heure française. Ça y est, on a la date du Game 1, c'est donc ce dimanche. Immanquable, regardez, 1 p.m. aux États-Unis. Ça veut dire qu'à 19h en France, on l'aura. Je ne peux pas encore vous dire quoi que ce soit en termes de commentaires sur Trash Talk parce qu'on va avoir beaucoup de boulot, mais c'est juste immanquable. On va être à Boston, on sera au TD Garden avec la visite de Giannis, avec Jrue Holiday, avec tous ces gars-là qui ont connu d'ailleurs la série d'il y a quelques années. Souvenez-vous, Terry Rozier versus Eric Bledsoe. Souvenez-vous, Joe Prunty qui était le coach à l'époque. Il n'y avait pas encore Mike Budenholzer. Ce sont des sacrées retrouvailles quand même. C'est l'occasion pour Giannis aussi de remettre des points sur les i, de rappeler qui est le champion en titre. Alors il n'y a pas de Middleton, il y aura plein de choses dont on va devoir discuter dans les previews. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà le rendez-vous qui est pris pour ce dimanche avec le Game 1 qui sera donc au TD Garden. Ça va être dingue. On va vraiment pouvoir se régaler à partir de ce dimanche. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il y aura un beau break entre le Game 2 et le Game 3. Il va y avoir 3 jours carrément de repos avant d'aller à Milwaukee. Et puis ensuite, ça va défiler. J'espère qu'il y en a 7. J'espère que ça va être incroyable et qu'on pourra se régaler tous les soirs. C'est peut-être la série la plus hype pour le moment des demi-finales, et on l'a, enfin. Yes. Donc, voilà, je rappelle aussi en termes de news que Boston et Milwaukee se sont affrontés 4 fois cette saison, on en reparlera dans la grosse preview avec Alexinator, 2 victoires des Bucks et 2 des Celtics, malheureusement il y avait des absents, donc on va pas non plus se baser totalement là-dessus, mais ça nous empêchera pas de louper la moindre seconde de cette opposition. Donc, voilà, pour cette grosse annonce, Bucks-Celtics en demi-finale, nous y sommes. Je regarde un petit peu les commentaires à chaud, parce que je vois que vous êtes ultra chaud dans le chat. Croyez pas, Boston est vraiment énervé. Il y en aura pas 7, moi je vous le dis. Ça y est, les fans de Boston sont chauds. Il y en a qui commencent à trash talk dans tous les sens. Mais oui, OMG, les Celtics à 19h. Bah là, il y a toute la Boston Nation qui est en feu. Voilà, coucou de Croatie. Bah, formidable. Tous les Croates sont chauds carrément. Les Bucks en 7 avec Milton qui revient au Game 7. Allons-y. Jalen Brown qui va envoyer Jrue Holiday en vacances. Allez, on y va sur les jeux de mots. À 7h du matin, on aime les contrepéteries. Allons-y. C'est beau, c'est ça aussi la communauté au taquet. Maintenant qu'on a dit ça, on va se pencher sur le deuxième match, si ça vous va, puisqu'il y avait 2 rencontres cette nuit. Nous avons donc d'abord eu la victoire, comme je le disais, de nos amis les Bucks face aux Bulls. Et on a enchaîné avec nos amis les Dubs. Y a-t-il des fans de Golden State dans ce chat ou en replay, puisque votre équipe, ça y est qualifiée pour les demi-finales. 4-1,
avec ce cinquième match remporté 102-98. Yes, regardez, il y a la Dub Nation qui est là au taquet. Eh bien, formidable. Si vous avez vu le match, j'espère que vous avez un bon ophtalmo, parce que je vous cache pas que on s'est fait bien mal aux yeux, hein, et pas que aux yeux, au cul d'ailleurs. Excusez-moi, mais c'était vraiment compliqué comme rencontre. Très difficile comme match. On s'attendait à une grosse fête au Chase Center, ça a été plutôt la guerre des tranchées. Mais parfois, il faut aussi remporter les guerres de tranchées, et c'est ce qui a été le cas grâce à Stephen Curry et compagnie. Revenons, après cette nouvelle lampée, en détail sur ce match. Victoire 102-98. Rendons comme d'habitude hommage au vainqueur. Alors qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que Stephen Curry, de retour dans le 5 majeur, a fait le travail. 30 points, 5 rebonds et 5 passes à 10/22 au tir et 5/11 à 3 points. Un match un peu en accordéon ? Il avait un petit peu commencé gentiment, il a surtout très très méchamment fini. Stephen Curry, il a aussi pris les coups de chaud habituels de seconde période pour aider Golden State à sortir de cette espèce de vase offensive. C'est lui qui a envoyé dormir, parce qu'on va y revenir en image, il a envoyé les Nuggets aller se coucher donc du côté de Cancun. Il y a eu évidemment quelques buckets de Klay Thompson, 15 points et 9 rebonds, une belle bataille. Il y a eu un excellent Gary Payton 2, GP, le fiston. 15 points en sortie de banc, 3/4 à 3 points, des 3 dans les corners, de la défense, du hustle. 15 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre en 26 minutes. Il a été tellement précieux, fils du Glove qui était présent évidemment au premier rang. On a eu aussi Draymond Green qui a fait le travail, 11 points, 2 rebonds et 6 passes. Alors quelques petits soucis parfois, notamment pour défendre sur un Nikola Jokic possédé, mais c'était pas mal. Andrew Wiggins aussi qui a eu des difficultés. Et Jordan Poole qui a très clairement fait sa redescente sur terre, hein, 8 points, 1 rebond et 4 passes à 3/10 au tir et 5 fautes. On avait vu un Jordan Poole exceptionnel sur les 3 premiers matchs, hein, on disait que c'était les Splash Brothers x3. Les 2 matchs suivants, retour sur terre. Alors faudra voir comment ça se passe sur la série suivante, mais Jordan Poole s'est pris un petit peu une claque de la réalité, et c'est pas plus mal, parce qu'on verra comment est-ce que Steve Kerr va devoir aborder la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il garde son line-up avec Draymond et Wiggins. C'était un petit peu le death line-up là, de la part de Golden State qui était envoyé cette nuit, lorsque Steve Kerr a annoncé qu'il y avait Curry, Clay, Poole, Wiggins et Draymond dans le 5 majeur, donc pas de Kevin Looney. Mais cette affaire n'a pas non plus duré extrêmement longtemps. Pourquoi ? Bah parce que vous allez voir, lorsque vous avez Denver qui vous bat 50 à 37 au rebond, lorsque vous avez Jokic qui fait à peu près 8 fois la taille de votre raquette, eh bien ça peut poser des problèmes. Et Golden State s'est retrouvé dans une position vraiment pas confortable. Ils ont failli perdre ce match, hein, alors que Denver n'a pas été incroyable. Et on va y venir, justement sur nos amis les Nuggets, avant de reparler de Golden State. À Denver, je ne peux pas commencer d'explication sans entourer ceci. 6/29 à 3 points, messieurs, dames. Ah bah oui. Ah bah oui, mais les mecs. Bones Island. Bon bah, désolé, rookie. Hein. Alors la cheville, elle tourne, mais 0/6 au tir, 0/5 à 3 points, trop compliqué. Austin Rivers, qu'on avait bien aimé dans ses efforts, il se fait mal. Pareil, en première période, et donc il doit quitter les siens au bout de 5 minutes. Bryn Forbes, rien du tout. Malheureusement, tu ne peux pas compter sur un grand Jeff Green. Tu peux pas non plus trop compter sur un bon Will Barton parce qu'il met 14 points, mais l'impact, il est trop faible. 5/13 au tir, 2/6 à 3 points. Il a envoyé des saucisses à tour de bras. On avait vu du très bon Monte Morris. Là, c'était solide, mais pas plus fort que ça. Par contre, Nikola Jokic, bon bah voilà, hein, la sortie comme un prince. 30 points, 19 rebonds et 8 passes. 2 contre et une interception. 12/18 au tir, alors qu'il avait mal un peu à la cuisse. Jokic a joué que 32 minutes parce qu'il y avait des soucis de faute, vous voyez, hein, il y en avait 5, donc il a écopé de fautes assez rapidement, ce qui n'a pas été facile pour lui, et ces fautes ont permis notamment à un garçon de s'exprimer, je vois que certains le mettent dans le chat, monsieur DeMarcus Cousins. C'est notamment grâce à Boogie que Denver reste dans ce match, 19 points en 15 minutes en sortie de banc, à 8/12 au tir et 2/3 à 3 points. Ce qu'il faut comprendre, c'est que DeMarcus, on l'avait vu déjà avec Denver, capable de bien scorer en sortie de banc. Ce dont on avait peur, c'était défensivement. Et c'est vrai qu'en première période, on voit que Denver, dès qu'il y avait DeMarcus Cousins sur le terrain, eh ben, il suffisait que Golden State fasse un pick and roll et tu prenais 2 points dans la raquette. C'était comme ça. Mais DeMarcus Cousins, il a essayé de faire quelques efforts défensifs et du coup, il était tellement fort en attaque qu'on était là genre, bon bah, formidable, laissons Jokic un peu sur le banc puisque ça déroule avec Boogie. Et c'est ce qui fait qu'il a eu un assez beau temps de jeu, hein, DeMarcus,
15 minutes, 19 points, et que donc Jokic n'a joué que 32 minutes. Du coup, dans la physionomie du match, Denver était à égalité avec Golden State à la mi-temps, hein, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y avait 48 partout exactement. Sorti de vestiaire dans le troisième quart-temps, on se dit que Golden State va dérouler. Eh bien, pas du tout. C'est Denver qui fait une excellente sortie de vestiaire pendant que ça pionce totalement côté Warriors. Après, vous connaissez les classiques. Réveil du chef, réveil du Chase Center, j'allais dire l'Oracle Arena, réveil du public, Gary Payton qui fait du hustle play, autoporteur qui rentre un gros shoot, etc. Là, on a eu les Warriors qui sont revenus. Et vu que Denver n'arrivait pas à rentrer trop de tirs à 3 points, eh bien, la bascule a eu lieu dans le quatrième quart-temps. Et là, c'était trop compliqué. Des soucis de faute pour Jokic, de la fatigue. Ils étaient exténués, hein, nos amis les Nuggets. Et donc, lorsqu'il a fallu terminer le travail, eh bien, c'est Steph. Il a pris la rencontre à son compte. Il a mis les deux mains sur le volant. Et il a dit, moi, je vais emmener le bus jusqu'en demi-finale. Et donc, c'est pour ça que Golden State est qualifié. Je vais vous montrer évidemment les petits tweets qui ont été envoyés dans la nuit pour continuer à faire le tour de ce qui s'est passé cette nuit. Hein, vous voyez le chef qui commençait à bien chauffer dès le début de la rencontre, à vouloir faire lever la foule. On voyait là qu'au niveau des shoots à la mi-temps, c'était compliqué. Hein, 40% au tir pour les Warriors, 40% au tir pour les Nuggets, 9 sur 32 à 3 points. Comme je le disais, si vous étiez en train de dormir, bah, vous inquiétez pas parce que vous avez vraiment rien loupé du tout. C'était pas du tout un beau match, hein, on va pas se mentir. On a eu quand même un beau DeMarcus Cousins, vous voyez, 19 points en 13 minutes, formidable, qui s'est même permis de discuter un peu avec Draymond Green sur une des lancers francs. On a le chef qui a commencé donc à chauffer, puisque vous voyez, il n'y avait que 84-83 pour Denver à 7 minutes 40 de la fin, donc on attendait le réveil du patron, et on l'a eu. On a eu des gros buckets de Gary Payton 2 devant les yeux de son paternel. Papa, il était chaud. Il était content de voir le fiston rentrer des gros shoots. Ça a été vraiment un des gros facteurs X de cette rencontre Gary Payton 2. Et on a cette image qui est vraiment celle qui a fait le tour de la toile. Stephen Curry qui met les gros paniers qu'il faut à 30 secondes de la fin. Un petit layup pour donner plus 5 à Golden State. Merci d'aller faire dodo, aka les Denver Nuggets, les Sleeping Nuggets à Cancun, pendant que Golden State donc se qualifie pour le round suivant. C'est comme je le mettais, évidemment, les Warriors, eux, ils vont être pour le moment en repos. Pourquoi ? Parce qu'ils vont affronter le vainqueur de la série, Minnesota-Memphis. Je rappelle que Memphis mène 3-2, qu'on va avoir ce soir le Game 6 à Minnesota. Je vous pose donc la question aux gens qui sont dans le chat, ou si vous êtes en replay sur YouTube. Golden State-Memphis ou Golden State-Minnesota ? Enfin, on va être d'accord quand même, non ? Qu'est-ce que ça me met ? Ah, tout de suite, on met du Minnesota. Je peux vous dire que si Memphis, il choque ça après avoir mené 3-2, attention. Piou. Memphis. Ouais, il y a beaucoup de Memphis dans le chat, hein. Je pense qu'on est d'accord. Après, à voir si ça termine en 6 ou en 7. Mais je pense que Memphis va quand même faire le travail et qu'on va se retrouver devant cette affiche tant attendue. 2 versus 3, numéro 2 Memphis, numéro 3 Golden State. La jeunesse face aux vétérans, la polyvalence, la défense, des highlights dans tous les sens. Et un début de rivalité, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Play-in Tournament 2021. C'était Golden State-Memphis. Donc il va y avoir aussi des belles retrouvailles. Hein. Dion Brooks et Stephen Curry, ça se connaît très bien. Moi, j'aimerais évidemment que ce soit aussi bien pour Memphis que pour Minnesota, mais petite préférence pour un Grizzlies Warriors, je vous cache pas. Et je pense que c'est ce qui va se passer et que ce sera confirmé ce week-end. Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, ils ont annoncé que ce serait lundi soir le premier match. Non, c'est... Ou dimanche ? Je sais plus. Je crois que le Game 1 de Golden State-Memphis, ils ont dit que s'il y avait Golden State-Memphis ou Golden State-Minnesota, ce serait dimanche. Mais à confirmer. Je crois. Voilà. Dans tous les cas, on a cette belle qualification de nos amis de Golden State qui vont pouvoir recharger un petit peu les batteries, et notamment Monsieur Jordan Poole qui est bien redescendu sur Terre. On doit tirer un coup de chapeau, messieurs, dames, à une légende. Je n'ai pas d'autre mot pour décrire cette saison de Nikola Jokic qui officiellement est terminée. Nous avons vécu la campagne 2021-22 de Nikola Jokic, une campagne historique, avec plus de 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives sur la saison régulière. Le premier homme à réaliser ça. Il termine sa campagne avec un match à 30 points, 19 rebonds et 8 passes, en étant dans un leadership total, alors qu'il n'y a pas Jamal Murray, alors qu'il n'y a pas Michael Porter Jr.
On va s'en souvenir de Nikola Jokic. On est en train de vivre le prime de Nico. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la déception, il y a de la tristesse. Mais moi, j'ai déjà envie d'être en octobre. J'ai déjà envie de voir Nikola Jokic reposer avec un effectif blindé. Parce que là, il peut mettre tout le monde dans le rétroviseur. C'est exceptionnel ce qu'on a vu. Et donc, ça fait souvent mal aux yeux et au cœur de basketteur de se dire que voilà, Nikola Jokic, et ben, la prochaine fois qu'on le revoit jouer, c'est en octobre. Je parle en NBA, hein, parce qu'après on verra sur d'autres petites compétitions, mais voilà. On est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. On ne revoit pas Nico avant 6 mois. C'est long. C'est long, mais c'est comme ça. C'est la dure loi de la NBA. Et il y a une autre loi aussi qui est assez dure, malheureusement. C'est que du coup, bah, y a de bonnes chances pour que Nikola Jokic il reçoive son trophée de MVP en étant éliminé des playoffs. Ça arrive, on a déjà connu ça. L'autre qui l'a fait, c'est un autre Européen, vous le connaissez. Il est grand, il est blond, il est allemand. Il s'appelle Dirk Nowitzki. Alors oui, forcément, il y a des gens qui vont balancer des punchlines dans tous les sens en disant « Super, la conférence de presse en tong, génial, le MVP l'est éliminé. » Oui, tout à fait. Mais c'est un trophée de saison régulière. Donc ça se saurait si c'était quelque chose qui devait se confirmer avec les playoffs. Après, si vous voulez, on peut faire un MVP des playoffs au global. Et à ce moment-là, ce ne sera pas Nikola Jokic. Mais sur la saison régulière, eh bien Nikola Jokic va très certainement recevoir son trophée de MVP. Je ne dis pas que c'est sûr et certain que ce soit lui. Si ça se trouve, on va être surpris et ça sera Embiid. Je pense quand même que ça va être Jokic. Et on devrait avoir l'annonce là d'ici quelques jours. Ça arrive, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez un petit peu, mais bon... pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps avant le MVP? Parce que d'habitude, il est donné au début du second tour. Et que c'est un peu le trophée qu'on donne en dernier. Voilà. Donc là, on a déjà eu le rookie, on a déjà eu la progression, et... je sais plus... le défenseur. Marcus Smart, Ja Morant, et Scottie Barnes. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Et pourquoi est-ce qu'on le donne pas avant le premier tour? Parce que ça va très vite. Et que la NBA, du coup, ils disent, bon, on se dépêche. Il y a le play-in tournament et puis ensuite, on enchaîne tout de suite. C'est ce qui fait que d'ailleurs, nous, on n'arrête pas de galérer avec cette semaine pré-playoff parce que c'est toujours la folie. Dans tous les cas, voilà pour Nikola Jokic qui va devoir regarder le reste des playoffs sur son canapé ou à faire de l'équitation avec ses chevaux, comme vous le savez. Quelques félicitations, évidemment, de la part de Draymond Green et de Stephen Curry qui vont donc, eux, avancer au round suivant. Et attendre gentiment leur adversaire qui sera donc le vainqueur de la série entre Memphis et Minnesota. Pour le bracket, je vous le remontre évidemment, le bracket qui est à jour, celui de la NBA, comme vous le voyez, Phoenix qui mène 3-2 dans la série. Il y aura un match 6 du côté de New Orleans, on verra si les Pelicans peuvent forcer un Game 7. Pareil pour Dallas-Utah, on va voir si Luka Doncic et ses copains finissent le travail ou si Donovan Mitchell, dont on vient d'apprendre la présence fort probable pour le Game 6, malgré ses petits pépins physiques, est-ce que le Jazz pourra forcer un Game 7? Golden State, ça passe. Memphis-Minnesota, on va surveiller. Et donc, dans la conférence Est, eh bien, nous n'attendons plus qu'une personne. Et c'est Monsieur Doc Rivers, c'est Monsieur Dominique Rivière, puisque Miami est qualifié, Milwaukee et Boston aussi, et on attend les Sixers. Alors Sixers ou Raptors? Raptors ou Sixers? C'est compliqué, hein? Et justement, ce qui est très compliqué, c'est que pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, on a écrit un article sur Trash Talk pour revenir sur les propos de Doc Rivers, qui, formidable, est revenu, voilà, hop, je vais laisser, mais qui est revenu sur ses propos en disant, ce sont des propos absolument insupportables de la part de Doc Rivers. Pour celles et ceux qui ne savent pas, Doc Rivers est un petit peu revenu sur ses éliminations lorsqu'il menait 3-1. Il y a un journaliste qui lui a posé la question et il a essayé de se justifier. Je vais même pas tourner autour du pot, le mec il a chié sur ses équipes précédentes. Moi je serais un joueur de Doc Rivers, je pèterais un câble. Il a dit non mais regardez l'équipe que j'avais. Hein? On avait affronté l'équipe qui était future championne, d'accord? Donc c'était pas ma faute. Après est-ce que je me suis fait éliminer par Josh Smith et Corey Brewer? Oui. Mais bon, je refais l'histoire comme je veux, je suis Doc Rivers. Donc voilà, très très hâte de voir Monsieur Dominique Rivière, où on sent le niveau de sérénité. Hein. On sent qu'il est serein et que tu vois, tu sens la conférence de presse très 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 stable quoi.
en comparaison avec un Tyrone Lue qui vient de dire, alors qu'il n'avait pas Kawhi et Paul George, qui vient de dire je vais apprendre justement de cette saison et revenir plus fort la saison prochaine. Deux salles, deux ambiances. On reviendra évidemment sur tout ça dans quelques heures. L'autre grosse nouvelle pour les copains et copines qui n'ont pas vu, c'est tombé hier soir de la part d'Adrian Wojnarowski, c'est que Devin Booker, il est de retour. On l'avait vu se blesser en tout début de série face aux Pelicans. On l'a vu aussi quitter le dernier match, le Game 5, en charriant le staff, le coaching staff des Pelicans, puisqu'il n'arrêtait pas de gueuler « I'm back, I'm back ». Il y avait plein de fans qui essayaient de savoir ce que ça voulait dire. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le moment, il y a un énorme optimisme dans l'Arizona avec la possibilité que Devin Booker puisse revenir dès le Game 6 ou un potentiel Game 7 s'il a lieu face à New Orleans. Donc c'est de très bonnes nouvelles pour les Suns qui, je le rappelle, essayent de jouer le titre. Hein. Meilleur bilan de la NBA cette saison. Ils sont absolument énormes. On a vu un formidable Mikal Bridges sur le Game 5 de ce mardi soir. Et donc si Devin Booker revient, eh bien, il faudra être au taquet parce que si tu affrontes une équipe de Dallas, je dis n'importe quoi, si tu affrontes une équipe de Dallas qui est en pleine bourre, qui a un Luka Doncic qui revient à fond, Jalen Brunson qui joue comme un All-Star et la défense de fou qu'il y a avec Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock, moi je dis Phoenix, il y a plutôt intérêt à être à 100%. Parce que Dallas, ils sont taquins. Hein. Ils ont un bon effectif, ils ont une bonne philosophie de jeu avec Jason Kidd. Donc on va surveiller tout ça. Je pense que d'ici la fin du week-end, vous aurez une autre update sur Monsieur Devin Booker qui reviendra donc de sa blessure au fur et à mesure. Voilà dans tous les cas pour ces grosses news. Je rappelle bien évidemment que les deux scores de la nuit, ce sont donc les qualifications des Bucks et des Warriors. Victoire face à Chicago et contre Denver. Bonnes vacances aux fans des Bulls et des Nuggets. Et ce soir, le programme, eh bien, il est fort alléchant. Regardez-moi cette merveille. 1h du matin. Toronto, dans une ambiance de folie qui va accueillir les Sixers. Est-ce qu'on aura un Game 7 ou pas ? On verra ensuite New Orleans contre Phoenix. Pareil, ambiance de folie au Smoothie King Center. Est-ce qu'on aura un Game 7 ou pas? Ensuite, on enchaînera à Utah. Est-ce qu'on aura un Game 7 ou pas? On pourrait avoir 3 équipes qualifiées. On pourrait aussi avoir 3 Game 7. C'est vraiment une dinguerie qui nous attend sur donc ce jeudi soir. Je rappelle à ceux qui débarquent et qui n'ont peut-être pas l'info, parce que ceux qui sont en replay auront l'occasion de l'avoir vu en milieu d'émission, que ce dimanche, nous avons donc le Game 1 de Boston-Milwaukee à 19h, heure française. Je répète, ce dimanche, 19h, heure française, Celtics-Bucks Game 1 d'une série qui s'annonce absolument légendaire, avec Tatum, avec Giannis, avec beaucoup de garçons. D'ailleurs, excusez-moi. D'ailleurs, je me permets une toute petite update. On en reparlera dans la preview qui sera faite avec Alex. Mais les dernières infos qui sont tombées sur Chris Middleton ne sont pas très optimistes. Autant pour Devin Booker, on se frotte les mains. Autant pour Middleton qui est blessé, il y a de bonnes chances pour qu'il soit absent sur la durée. Donc c'est un élément à prendre en compte dans une série comme ça. Boston, exceptionnel sur le premier round. Il faudra que Milwaukee nous fasse une série de zinzin et que Giannis fasse un truc all time pour qu'on puisse évidemment voir les champions en titre avancer au round suivant. Ça va être très chaud et je sais qu'il y en aura plein qui vont balancer leurs pronostics par la suite. Attendez la preview, le temps que les infos se digèrent, tout simplement. Du coup, voilà un petit peu pour les news. Moi, je vais pas tarder. Je vais prendre juste 3-4 questions grand maximum dans le chat parce qu'ensuite ça va continuer sur Trash Talk. Il y a plein d'actus qui vont tomber sur le site, il y a plein de choses qui vont tomber sur les réseaux sociaux et puis cette nuit on aura une nouvelle nuit de playoff avec plein de choses à devoir débriefer. Juste spoiler, je sais pas encore s'il y aura un aller café demain matin. Voilà, je préfère l'annoncer parce que j'ai envie aussi d'être en forme pour ce week-end. Il va y avoir beaucoup de contenu à faire. Donc pour ceux qui ont prévu d'avoir leur rendez-vous, il y a moyen que je sois pas forcément dans le coin. Du coup, quelques petites questions. Est-ce que tu vois les Sixers choke le 3-0? Non, je pense que Philly, ça passe. Soit ce soir, soit en 7. Qu'est-ce que tu penses de Smart défenseur de l'année? Je trouve ça très bien parce qu'il y a une justice dans l'histoire des défenseurs de l'année. Maintenant, si cette année, vous avez mis Mikal Bridges ou Rudy ou qui que ce soit d'autre, j'ai pas de problème avec ça. Mais au moins, Smart, il a un trophée de défenseur de l'année et je trouve que pour tout le travail qu'il a fait depuis le début de sa carrière, il y a quelque chose de concret. Je regarde un petit peu. Doc Rivers, le pire coach all-time? Non, on va peut-être pas non plus dire ça, mais voilà.
Est-ce que Rudy sera sur un départ? Eh bien, c'est sûr que si ce soir, Utah se fait sortir en 6, moi, je vais taper fort du poing sur la table. Hein. On va demander en caps lock, on va envoyer Rudy, ça dégage. Hein. Allez, allez, on veut voir Rudy ailleurs. Pas à Utah, là. Utah, c'est en train d'imploser, donc moi, je pense que Utah ne tiendra pas cet été. Voilà. Danny Ainge est arrivé, c'est pas pour trier les lentilles, comme on dit. Et est-ce que Van Fleet mettra 30 points ce soir? Eh bien, je crois que Van Fleet ne jouera pas, si je ne dis pas de bêtises ce soir. Il a un souci à la jambe, et je crois que le staff de Toronto a indiqué qu'il ne jouerait pas Fred Van Fleet. Donc attention à ça aussi, il va falloir que Toronto se débrouille sans lui. Ils l'ont fait sur les deux dernières rencontres, puisqu'il était absent du dernier match, et bien absent de la deuxième mi-temps du Game 4, si je ne dis pas de bêtises. Voilà un petit peu, il y en a qui sont déjà au boulot, formidable. Est-ce que Boston va perdre un match avant la bagouze? Oui. oui, quand même. Avant de donner que des sweeps à Boston, on va déjà se reposer sur leur sweep contre Brooklyn et faire la preview de ce grand Milwaukee Boston qui nous attend donc ce week-end avec le Game 1 dimanche soir 19h. Moi, comme d'hab, je vais devoir vous laisser donc avec les messages classique que je vous donne à chaque fin de LA Café. Déjà, à celles et ceux qui vont au boulot, celles et ceux qui sont là en direct, merci à tous ceux qui étaient là, qui ont envoyé des subs dans tous les sens. J'espère que vous allez passer un formidable jeudi. L'actu, elle continue, évidemment, sur Trash Talk. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout, puisque j'en profite pour faire un coucou aux copains de la rédaction. Tous les Giovanni, les Gus, les Nico et tous les autres, Arthur, Alexandre, etc., qui envoient des articles. N'hésitez pas à aller consulter les analyses détaillées de cette nuit de NBA. Moi, je vais aller fermer les yeux quelques heures. Je vais préparer, évidemment, avec Alex, les previews à venir, parce qu'on va avoir de la preview à tourner. Et puis, ma foi... On se retrouvera peut-être pas demain matin, mais sûr et certain, samedi matin. En tout cas, dans la sortie du vendredi, en fonction des matchs qui auront été joués. S'il y a du Game 7 ce week-end, on vous tiendra au courant s'ils sont commentés. Je vous fais des bisous. Je vous laisse évidemment devant le petit bracket avec du son. Et j'enchaîne. Et passez une excellente journée sur Trash Talk, au boulot ou où que ce soit. Des bisous, à la prochaine! Hop là. À toutes, bisous, ciao.